J'espère que vous avez le rythme dans la peau. Je le sens pas, je sais pas pourquoi je le rends en fait. Venez, venez. Donc en fait, on en est au stade où je dis aux filles, venez avec moi. Alors ne vous inquiétez pas, en fait, ça, ce qu'on va faire, c'est charmant personne, c'est jouer sur ces gros losanges. On est là pour vous expliquer ce que c'est. Ce sont des percussions électriques. Donc dès qu'on tape dessus, ça fait et du son et la lumière. Oh, oh c'est chouette. Merci. Non, parce que le violon, ça va dégager. Ça va. Alors, ton son à toi, quand tu peux te rapprocher, la machine ne va pas te manger. Chacun d'entre vous va avoir un son à faire, ok? Le tien, ce sera celui-là. Vas-y, tape-toi tes barres. Ton son à toi sera comme celui-ci. Vas-y. Ça tout très bien, je pense. Et le son de Karim sera. Vas-y, Karim. Vas-y, tape. Yes! Ouh ça, c'est notre affaire. Je vais vous aider, on va remettre la petite boucle de violoncelle hyper angoissante de Juliette. Et comme je suis hyper sympa ce soir, je vais mettre de Karim, c'est trop drôle. Karim est angoissée. Ah ouais. C'est avec ces grosses machines, on peut aussi. Voilà, pour boucler en live ce qu'on veut. Ça veut dire que si vous jouez n'importe comment, le morceau d'après est fort. Et c'est pas faux. Voilà. Lisa, je suis pas très pédagogue. Je suis absolument pas pédagogue. Alors c'est une boucle de 8 ans qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puisque là, tout ça reste. Vous avez chacune tapé sur le numéro. Tout le monde se veut de l'organe, c'est très sympa, c'est pas jamais quoi. Tu taperas à chaque fois que c'est le numéro 2. Et toi, tu taperas à chaque fois que ce sont les numéros 3 et 7. C'est un peu plus compliqué. Je vais vous montrer la dernière.
Bye.